Bon, Javit et Marie, vous avez entendu parler des thèses. Les thèses, oui. Rounders, Maverick, Ouais, Madison, c'est oui. ça. Oui, hein. Et le bouquin de Mike Harrow, qui est le premier Oui. bouquin à signaler que les gens ont des tensions dans le visage ou dans les mains, Qui des font gestes empêcher de inconscients. faire lire C'est ça. avec le poker face. Si tu les lis, tu sais si le type a une bonne main ou une mauvaise main. Mais il y a moyen d'entraîner ça. Et pour ça, certains joueurs ont fabriqué des jeux particuliers pour les Tells. Alors ça, c'est un jeu où il n'y a, c'est pas un jeu de cartes complet. Il n'y a que quelques cartes et chacune porte plusieurs nombres, plusieurs symboles. Donc, si tu veux mélanger ces cartes, enfin, bon. Alors ce que tu vas faire, par exemple, je te donne un exemple. Tu penses à une hole carte, une carte que tu aurais cachée ici. Par exemple, tu penses, je ne sais pas, le 5 de trèfle. La première chose que tu fais, tu regardes le jeu et toutes les cartes qui ont la même valeur, pas la figure. Par exemple, ici, il y a un 5. Là, il n'y a pas de 5. Ici, il y en a un. Et là, il n'y en a pas. Toutes les cartes qui ont la même, qui portent le chiffre, tu les regardes et tu les mets dans la boîte. D'accord. Et on fera la même chose avec le symbole dans celle qui reste après. D'accord? Tu remélanges encore un petit peu avant. Ça, c'est pour toi. Donc, tu penses à une carte. Donc voilà, j'ai une carte en En tête. tête, et toutes les cartes qui portent le chiffre, par exemple si c'est 8, c'est un 8, si c'est Q, c'est une reine, toutes les cartes qui portent la même valeur, tu les élimines et tu les mets dans la boîte. Je ne regarde pas tes expressions, mais je t'écoute respirer. Je vais poursuivre en apnée. C'est dans la boîte? Oui. Je voudrais juste que tu vérifies qu'il ne reste aucun symbole nulle part. Que De tu la en as valeur. de la valeur, oui, aucune valeur. Rien, tu Non, n'as, non, t'es sûr? c'est en ordre. Ok, c'est important hein, de ne pas se tromper. Maintenant, tu fais la même chose avec la famille. Donc, pique, cœur, trèfle ou carreau. Tu les mets dans la boîte, hein. Celle qui comporte. Celles qui comportent le même symbole, tu les caches dans la boîte. Voilà. Ok, tu vérifies qu'il reste. Et tu mets ces cartes dans la boîte. Tu es sûr qu'il n'y a pas de 5. Non, non, je. Ok, tu mets tout dans la boîte. Et maintenant, tu reformes à partir de tout ça l'image de la carte invisible qui est posée là. Et moi, je vais devoir deviner. Est-ce que je parierais tout mon pognon sur le fait que tu aies choisi un valet de trèfle? C'est exact? C'est exact. Ça. Évidemment, bon, c'est un jeu d'entraînement, tu joues pas aux cartes avec ça, donc si tu veux jouer aux cartes, il va falloir jouer avec un jeu complet. Ce qui se fait d'habitude, première chose. Dans des conditions de jeu. Et tu peux même couper sur la carte de coupe toi-même. Voilà. Tu sais que le poker aux origines, il y a plus de 200 ans de ça, se jouait qu'avec 20 cartes. Et c'était toutes les cartes de 10 à l'as. Donc on va prendre toutes les cartes. Une fois que j'en oublie, tu me le signales, mais toutes les cartes de 10 à l'as. Et dans le désordre où elle tombe. D'accord, je vais juste vérifier. Il n'y a plus rien ici. Non, normalement, je dois avoir 20 cartes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et on joue qu'avec ça. Ceci, on va en avoir besoin. Alors, d'abord, on va remélanger tout ceci. C'est facile comme ça. Et Marie, si tu veux couper. Voilà.
Alors, ce que je vais faire, je vais donner 5 mains, 4 mains. De 5 cartes. Et c'est vraiment un showdown. Ce que tu vas faire, tu choisis une des mains, tu la gardes, les trois autres tu les prends, tu coupes le paquet et tu les mets au centre. Qu'on n'ait pas de doute sur une carte qui pourrait être marquée au-dessus ou repérée en dessous. Enfin, je ne regarde pas. Tu choisis la main que tu veux. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Et le jeu que tu as choisi, tu le caches sous la table, mais tu regardes la face des cartes, c'est important. C'est fait? En dessous de la table. Je ne vais même pas voir le dos des cartes. Et regarde-les. Et je vois ton expression qu'il y a un petit peu posé sur la table. D'accord. Maintenant, la vitesse à laquelle tu as tiré l'as prouve qu'il n'y avait qu'un as, que c'était une carte facile à trouver, donc je ne dis pas qu'il y a une paire ou un brelan ou un carré d'as, et que toutes les autres figures sont, à cause de cette vitesse, toutes les autres cartes sont probablement des figures. Donc, tu peux également me sortir la paire de valets noirs qui se trouve dans ton jeu. Là, tu hésites un petit peu plus, ce qui veut dire que les deux cartes restantes sont de la même couleur, sont noires aussi, mais ne sont pas des valets. Et tu n'as pas hésité en cherchant un troisième. Et je pense que le valet ressemblant fort à un roi, tu as plutôt deux dames noires que tu mets dans ton jeu. Ouais, merci. Bon. Suis-je aussi transparent? Oh, on est tous d'une façon ou d'une autre. On va faire ceci. Maintenant, là, tu joues contre un être humain, un être vivant en face de toi. Donc, je vais remélanger ceci à fond. Et tu vas jouer contre quelqu'un qui n'est pas là. Parce qu'il existe un groupe de gens fort intéressés par ce genre de concept, et dont j'ai la liste tout près de moi. Et tu vas jouer contre cette personne qui est absente. Enfin, contre une de ces personnes, puisqu'il y a un certain nombre de joueurs répertoriés ici. Alors, nous utiliserons, tu remarques que tous les noms sont différents, les adresses sont différentes, les numéros de téléphone sont différents. Et je voudrais que tu choisisses un personnage au hasard dedans. Contre qui okay. veux-tu jouer? Je vais jouer contre Jacob Delay. Jacob Delay. Alors, P.O. Box. On va prendre son adresse. Et dans ce cas-ci, il y a 4 chiffres. Mm-hmm. Mais tu aurais pu en choisir un où il y avait 2 chiffres. Tu aurais pu en choisir un où il y avait 5 chiffres. Oui. Hein, ici, absolument. Il y en a 5. Il y en a où ils sont seuls. Donc, son adresse, ici, c'est un P.O. Box. Donc, c'est 1. Donc, une carte pour lui et la carte suivante pour toi. Ensuite, 2. 1, 2. Une carte pour toi. Puis, 1200... 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une carte pour toi. Et le dernier, 1. Et une carte pour toi. Tu n'as malheureusement pas une vraie main de poker. Tu n'as que 4 cartes. Une vraie main de poker, ce serait 5 cartes complètes. Mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce que tu serais étonné si ces 4 cartes, le jeu était mélangé, remélangé des dizaines de fois, si ces 4 cartes faisaient partie de la même famille? Par exemple, des piques. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance, mathématiquement, un peu de chance. Donc, ce serait étonnant que tu aies le 2 de pique, le 6 de pique, le 4 de pique. Tirage couleur. Tirage couleur et le 5 can de pique. Flush. Can flush, presque. Sauf qu'on n'a que 4 cartes. Et si j'avais prévu le coup, j'aurais ajouté l'effet sur la liste de la carte manquante. Bon, déjà vite, mélange les cartes. Et il est temps de jouer maintenant, hein. Parce que bon, si tu as les tels comme élément de psychologique favorable, tu as aussi la nervosité de l'autre. Est-ce que tu es quelqu'un de calme et de passif? Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Alors je te propose un jeu qui est une sorte de speed poker. Un poker très rapide. Alors le jeu a quelques règles faciles à suivre. D'abord, speed poker, c'est quoi? On prend le jeu ouvertement, donc on regarde les cartes, et on se choisit 5 cartes. Puis il peut les prendre ouvertement. Puis l'autre prend le jeu, choisit 5 cartes aussi. Après, on compare nos mains. On regarde ce que chacun a choisi, puis on peut changer de 1 à 5 cartes. D'accord? D'accord.
Et en fait, on compare nos mains. Et celui qui a la main la plus forte gagne. Alors, tu vas me dire que c'est un jeu très stupide. Parce que si je prends une canne flush royale, donc 10 valets, dame, roi, as dans une couleur et toi aussi, on a un tie. Donc, on a la même valeur. C'est ouais. Un peu stupide. Donc, je vais prendre des désavantages. La première chose, si on a la même main, par exemple une canne flush royale qui est la plus haute main possible, eh bien, tu gagnes. Je dois au moins avoir un point de plus que toi. La deuxième chose, c'est qu'avant de jouer, le jeu est étalé face cachée et tu me donnes une carte et je suis obligé de l'utiliser dans ma main. Alors si tu me donnes un 10, valet, dame, roi, as, c'est chouette parce que je peux aller jusqu'à la canne flush royale, mais si tu me donnes un 2, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Le troisième avantage que je te donne, parce que je suis certain d'avoir des meilleurs nerfs que toi, c'est le fait que quand on regarde la main de l'autre, moi je dois garder une de mes cartes. Tandis que toi tu peux prendre les 5, les virer et j'en vais prendre 5 autres. Et le dernier avantage, le plus gros de tout, c'est moi qui commence à tirer ma main, comme ça tu as le dernier choix. Donc si tu vois que je prends un carré de 10, après moi tu peux dire, ben moi je vais prendre un carré de valet. Dans le sens contraire, ça donne l'avantage. Ok ? D'accord. Et il faut évidemment jouer quelque chose. Moi, je joue mon Aston Martin DB5. Là, voilà. Et je te mets en plus $1 million pour l'essence. Moi, j'ai juste un carte-garde. Un carte-garde, ok. Un carte-garde. C'est pas vilain comme carte-garde. Mais... Et tu me donnes une carte. Donc, je prends ce que je veux. Tu la pousses vers moi sans regarder ce que c'est, évidemment. Ouais, ok. Et maintenant, tu as 30 secondes. Est-ce que tu veux mesurer 30 secondes, chronométrer 30 secondes? D'accord. Parce que ça doit se jouer en 30 secondes, 2 fois 30 secondes. Ok. Et j'ai 30 secondes pour choisir 4 autres cartes, en fonction de ce que j'ai reçu. J'en prends 5. Non, moi j'en prends 4 d'abord, okay. Pour compléter celle-là. D'accord. Puis tu auras 30 secondes pour les tiennes. Ça va. Donc, tu me dis top quand tu veux. 3, 2, 1... Tu peux essayer de m'énerver, hein. Tu peux essayer de me stresser parce que ça fait partie du jeu. Tu peux te distraire? Tu peux me distraire, mais tu restes habillé. Dépêchez-vous, c'est la vidéo. Oui, ben voilà, c'est fait. Combien de temps? 10 secondes. 10 secondes, ok. À toi, tu remets 30 secondes en jeu. Donc, je prends 5 cartes. Attends, laisse-moi te dire top quand tu veux. Je prends 5 cartes. Tu prends 5 cartes. Top! Alors là, tu viens de commencer avec 30 secondes, mais tu en restes déjà plus que 25 et tu n'as pas encore choisi une carte pour toi. C'est très énervant. Je te le dis tout de suite, allez, il ne faut pas s'énerver. Et maintenant, tu as déjà 20 secondes et tu n'as pas toutes les cartes. Tu n'as pas trouvé la bonne pour compléter tes mains. Oui, mais tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ces cartes seront suffisantes pour avoir une meilleure main? Il te reste à peu près, même pas à peu près, allez, il te reste 10 secondes pour trouver ton choix final. 10 secondes, ça ne fait pas beaucoup. Surtout qu'il reste maintenant 7 secondes qui vont vers les 5 secondes. Ne t'énerve pas, je crois que tu changes. Ok, d'accord. Et tu as pris un carré d'as, c'est pas mal, avec un roi. C'est bien pour commencer. Et moi, tu m'avais donné un 10, donc j'ai pris 4 10 et une carte quelconque. Mais maintenant, je sais ce que tu as comme main. Je dois examiner ton jeu et je vais changer... Je dois garder une carte, donc au hasard. Et je vais changer 4 cartes. Et tu me dis top quand tu veux, pour les 30 secondes. Top. Ok. Ah. Ben, pourquoi pas ça? Enfin, tu peux essayer de m'énerver. Hein. Je dis, moi, je vais te dire. Non, je vous remercie, merci. J'étais bien élevé. Là, je crois que c'est vraiment scandaleux d'essayer un truc pareil. Oui, non, tu ne m'auras pas. Je vous remercie. Voilà. J'ai même envoyé des femmes. Voilà, il envoie tout, c'est absolument scandaleux. Voilà, j'améliorerai ma main à toi. Donc j'ai 30 secondes. Tu as de nouveau 30 secondes. Top, à partir de maintenant, pour essayer de changer les cartes que tu veux, parce que jusqu'à présent, je te signale aimablement que j'ai mieux que ton carré d'as. Hein. Donc, à toi de trouver pourquoi j'ai fait. Ouh, oui, c'est ça, exactement. Mauvais. Il a pris les 10. Mais je m'en fiche, tu m'as donné un 10, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, mais tu avais vu que j'avais pris les 10, parce que j'avais un carré 10 tout à l'heure. Il fallait réfléchir mieux, mais je te signale aimablement qu'il ne te reste plus que 10 secondes. Mais tu peux essayer d'améliorer, il n'y a pas que des carrés dans la vie. Et de toute façon, on arrive au bout du cheval de course et en gagnant, David, second placé. Mais Schellmann est probablement en tête dans ce cas-ci. Et top, c'est terminé. Mais je te laisse encore changer une carte. Pardon, qu'est-ce que j'ai pris là, une erreur, voilà. Tu me sembles un peu nerveux, mon bon.
Ouais. Enfin, c'est une illusion peut-être comme je sens l'arnaque. Ben, j'ai un 9-10 valet d'armoire. Et toi, j'ai juste le truc en juste en plus. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Bon, voilà le 4 garde. Merci, j'ai un 4 garde de plus dans ma collection. J'ai une énorme collection de 4 garde. Et d'ailleurs, si tu veux, je propose de rejouer un 4 garde. Parce que tu as perdu ton 4 garde. Moi, j'ai gardé mon instant Martin. Mais ma montre, c'est... Tu veux jouer ta montre? Non, c'est... On peut, hein, dire. C'est une longue histoire. Ouais, j'imagine. Même pour un million de l'heure. C'est quand même un million de dollars. Quelques cartes de visite. C'est une carte de visite, d'accord. Donc ça, c'est la mise suivante. Moi, en fait, il y a un truc que j'adore, c'est les cartes guerre des autres. Les cartes guerre sont les petits objets que les... Quand tu joues au poker, tu reçois deux cartes, et pour éviter de les balancer accidentellement, tu mets un objet dessus. Ouais, ouais. Ça peut être ton briquet, ça peut être un objet plus sophistiqué. Et là, moi, j'ai un briquet, un lighter avec Félix le 4 dessus, ou un octopus. Un coquillage, si tu veux jouer à Vénus sur ton de Londres, ce serait pas mal. D'accord, moi je joue mon 5ème quartier et toi tu dois jouer quelque chose d'autre. Un sparadrap, tu t'attends à un accident. Voilà. Ouais. Alors je te propose une partie à 10 cartes seulement. Donc je vais choisir une dizaine de cartes. Je prends mes précautions. Ouais, ouais, ouais. C'est un sparadrap sur une jambe de bois. Ça fait 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va jouer uniquement avec deux mains de poker. Donc toi, tu dois avoir, ça c'est ton cardia. Donc deux mains, 5 cartes. Ok. Alors tu vas en mélanger quelques-unes. Okay. Voilà, je t'en donne 4. Je t'en donne 2. Je mélange celle-ci. Tu mélanges. Puis tu mélanges les miennes. Ça, tu mélanges aussi. Tu mélanges celle-là, il faut mélanger les cartes. Marie, il faut mélanger. Ouais, ouais. Tiens, tu mélanges celle-là. Et quand c'est fini, tu poses. Là. Donc, on est d'accord. Alors, je te signe. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce sont toutes les cartes sont des figures. Il n'y a rien d'autre. Ok? D'accord. Alors maintenant, tu prends toutes les décisions dans ce jeu. Tu as une carte pour toi et une carte pour moi. Laquelle tu prends? Je prends celle-ci. Et donc, je garde celle-là. Dans chaque main, soit tu peux prendre une carte dans chaque main, soit tu peux prendre les deux d'une main, soit tu peux prendre les deux de l'autre main. Tu décides. Pour toi. Pour ma main. Pour toi. Pour ta main. Une ou deux? Mais les deux ici, les deux là, ou une dans chaque main. Ah, ok, d'accord. Ok. Tu fais exactement la même chose pour moi. D'accord. Dans chacune des mains restantes, maintenant je vais retourner deux cartes. Tu regardes ta main, je ne regarde pas la mienne. Et tu décides si tu préfères ajouter ces deux cartes à ta main ou me les donner. Si tu ne les ajoutes pas, tu ajoutes ceux-là, mais sans savoir ce que c'est. D'accord. Comme c'est des figures, ça peut être deux rois, deux valets, deux dames, un roi, un valet, une dame, un valet, une dame, un roi. Hein. Je vais prendre celle-ci. D'accord, ok. Et maintenant, tu mises ton carte-garde. Riche idée. Et moi, je mise le mien. Alors, tu montres, c'est showdown immédiatement. Brelan de dame. Brelan de dame, trois dames. Ah oui, c'est quand même pas mal. Et moi, tu m'as donné un full des valets par les rois. Donc, je suis désolé, mais en plus de t'avoir piqué ton truc précédent, je gagne un sparadrap pour les coups graves de l'existence et les choses pénibles qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre. Eh ouais. Attends. Il y a un truc, mais ça, je suis désolé, Marie, c'est juste entre nous. Je comprends. Ah, c'est juste entre nous. Enfin, tu peux rester là, hein, je veux dire, ne t'en fuis pas. Imagine que tu es dans. Tu as joué au poker et tu t'es fait une centaine d'euros. Et tu dis, il serait peut-être temps, j'ai envie de sortir avec une chouette nanette. Mais 100 euros, c'est un peu limite. Et bon, les gars du poker sont partis, mais je sais que dans la rue, là derrière, il y a des gars qui jouent au craps. Le craps, ça se joue avec 2 dés. Ok. Tu lances les 2 dés. Si tu fais 7 ou 11, tu as immédiatement gagné. Donc tes 100 euros deviennent 200 euros. Si tu fais 2, 3 ou 12, tu as immédiatement perdu. Si tu fais un autre point, par exemple, tu fais 6. Le jeu change, tu dois relancer les dés jusqu'à ce que tu aies 6,
ou jusqu'à ce que tu aies 7. Si tu fais 7, tu as perdu. Si tu as 6, tu as gagné. D'accord? Donc tu prends les dés et tu lances. 8! Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. 8. On va dire que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est ta carte de chance. D'accord? Bon, mais tu es d'accord que ta carte de chance, elle peut être strictement n'importe quoi. Donc, imagine que tu fais 200 euros. Est-ce que tu peux couper le paquet en trois parties? Donc, il y a plus de dizaines de cartes dans chaque paquet, c'est tout ce que je te demande. Tu rentres dans ce... Et avant toute chose, qu'est-ce que tu préfères comme fille? Tu préfères une blonde, une brune ou une rousse? Brune. Une brune. Brune. Si c'est une brune, elle se prénomme comment? Julie. Julie. Et elle a quel âge? 26. 26. Je compte ou j'épelle? On va y plus. Hein. Oui. Vingt. Je mets un tiret entre les deux. Oui. Tiret. Six. D'accord? Tu rentres dans ce bar où tu sais qu'il y a ce bar dancing et tu sais qu'il y a des gens qui s'amusent et elles sont occupées à danser. Ta, 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 tous les gens sont occupés à danser. Et puis tu te dis, bon, il y a de la fumée, tu as les yeux qui piquent et tout et tout et tout. Et tu te dis, je vais repérer un groupe de filles. Et tu vois un groupe de trois filles. Il y a une brune, une blonde et une rousse. La brune te tourne le dos, donc tu ne vois pas son visage, et les deux autres, tu vois vaguement la tête qu'elles ont. Donc tu tapes sur l'épaule de la brune pour qu'elle se retourne. C'est laquelle des trois? Celle-là, d'accord. Tu aurais pu choisir les deux autres, et tu te rends compte qu'elles ont des taches de rousseur dans le visage. Ce que tu crois être des taches de rousseur, c'est plutôt une maladie honteuse, et tu te dis, merde, je ne vais surtout pas sortir avec elle. Alors il reste celle-là. Elle se retourne. Et maintenant, tu as plusieurs choses qui peuvent se passer. C'est une carte à points noire. Tu considères qu'elle est couverte d'acné, qu'elle est beaucoup trop jeune pour toi. Et ça ne te donne pas envie de passer une bonne soirée avec elle. Elle est couverte de points rouges, elle a peut-être une maladie honteuse. C'est un valet ou un roi, peut-être que si c'est pas ton goût, ta soirée, elle est foutue. Mais si c'est une dame, c'est un bon signe. Si en plus, comme tu as choisi brune, c'est une dame rouge, ça se rapproche plus fort de ta couleur que si elle avait des cheveux noirs. D'accord? Et donc, c'est extraordinaire, ta soirée commence bien. Et tu dis, salut ma poule, comment ça va? Comment tu t'appelles? Et elle te répond, ah ben c'est, moi je m'appelle Julie. Ah Julie, qu'est-ce que tu fais ici, dans ce dancing, tu sais, le truc bien bateau? Et elle te répond, ah oh, mais moi c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 26 ans, je viens le fêter avec des copines. Tu dis, Julie, juste une question, t'es une vraie brune? Tu dis, oh oui, t'as pas de problème, je suis pas teintée du tout. Dis Julie, est-ce que tu veux voir ma collection de papillons, d'estampes japonaises et de Lamborghini? Elle a dit, je mange pas italien. Elle te répond. Il dit, écoute, mon grand, à 26 ans, j'ai quand même une certaine expérience, tu me plais, ça, bon, je sens qu'on va pouvoir s'amuser ce soir ensemble, mais j'y mets quand même une condition. J'aimerais bien que ma soeur jumelle vienne s'amuser avec nous. Bonne soirée. Oui.